travers l'acte partenariat que nous célébrons ensemble aujourd'hui par votre accord. Nous vous souhaitons le cordial bienvenue et que l'éternel Dieu vous comble de sa grâce et vous soutienne dans l'exercice de votre mandat. Veuillez recevoir, Monsieur le Président, la Convention nationale des actions politiques. Recevoir ces bouquets de fleurs, signe de notre gratitude et notre accueil chaleureux. Je vous remercie. Si bien dit, le moment tant attendu est arrivé. Et nous voici au début de cette matinée. Avant tout, nous allons devoir vous lire le programme. Le premier point de notre programme, c'était la mise en place qui était terminée. L'arrivée des membres de Congo Ma Patrie qui étaient là avant tout le monde, ainsi que les membres de la CENAP. Au deuxième point, c'était l'arrivée du président provincial de la CENAP, de Kinshasa, et ses collègues du Kwilu Emmanuel en visite officielle à Kinshasa. Au troisième point, c'était l'arrivée du secrétaire. Après l'acte d'adhésion, nous passerons à la présentation de l'équipe dirigeante de Lukunga par le secrétaire général de la CENAP. Et après la présentation de l'équipe dirigeante de Lukunga, nous aurons les mots du président national ainsi que l'investiture de l'équipe de Lukunga. L'investiture de l'équipe de Lukunga, je disais, est remise des symboles du parti et du regroupement par le président national. Après l'investiture de cette équipe de Lukunga, nous aurons les mots du secrétaire général du regroupement ou par son représentant. Et à la fin, il y aura un cocktail qui sera servi. Et ça sera la fin de notre matinée. Voilà, en bref, ce que de notre programme de cette matinée. Sans plus tarder, nous allons demander à l'assistance de se tenir debout pour l'hymne national. Je vous remercie.
existe une plateforme parlementaire sans commentaire en 2023. Votre engagement politique sur terrain déterminera notre réussite. Nous vous invitons donc au travail de la sensibilisation pour convaincre la population à adhérer au projet des sociétés, pour convaincre la population à adhérer au projet des sociétés de notre cher parti, la CENAP, ainsi que la vision de l'autorité morale des sénateurs Sami Badibanga, Tita, pour que cette fois-ci, nous puissions être dans la majorité parlementaire en 2023. Voilà en bref, d'une manière laconique, les peu de mots que j'avais à vous dire pour vous souhaiter encore une fois bienvenue à tous. Je vous remercie. Merci. À présent, nous allons inviter les animateurs pour nous animer encore une fois de plus pendant un petit moment et nous allons rentrer pour poursuivre notre programme. Monsieur l'animateur, vous avez la parole. Monsieur le président du regroupement de progressistes, monsieur le président de la Convention nationale des actions politiques, monsieur le secrétaire, tous, mesdames, messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Nous saisissons de l'occasion pour vous présenter de manière succincte notre association sans but lucratif. Régit la loi 004 du 20 juillet l'an 2001 qui a pour dénomination Fondation Congo Ma Patrie en sigle FCMP. La Fondation Congo Ma Patrie est fondée le 7e jour du mois de juillet l'an 2017 et a une durée illimitée dans l'espace. Elle a pour présidente et fondatrice Madame Sandrine Kabisa Moulamba, mariée et mère de famille. La présidente est secondée par un conseil d'administration composé de 12 membres nommés par la présidente qui sont l'émanation de composantes suivantes. Le membre actif, le membre d'honneur et le membre bienfaiteur qui sont l'ossature même de la fondation. Cette association a pour objectif promouvoir le bien-être de la population congolaise, lutter contre le chômage et la pauvreté par la formation de jeunes via services de sécurité civile et les techniciens de surface en services culinaires et préposés d'accueil. La fondation ne se limite pas exclusivement à la formation,
mais offrent conjointement et de manière professionnelle ses services à ses partenaires de services publics, les entreprises privées et de lieux de résidence. Notre fondation a pour devise le bonheur de tous et l'amour du Congo, notre beau et valeureux pays. Le siège social de la Fondation Congo Ma Patrie est fixé au numéro 13 avenue Panzi, quartier Louis, commune d'Engaba, ville de Kinshasa. Le centre de formation est situé au croisement de l'avenue des Tropiques, 7e rue limitée résidentielle. Référence le pressing M17 en face de l'hôpital Bondego. Numéro plus 243-085-22-110 ou encore 97-19-29-491. Madame Clarisse Thieu. La FIFA! C'est la FIFA! C'est la FIFA! 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 C'est la FIFA! FIFA! C'est la FIFA! FIFA! C'est la FIFA! 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 Il y a un partenariat entre les deux secrétaires généraux, donc un secrétaire général lui et un secrétaire général de la CENAF. Vous voyez bien, madame, c'est la FIFA! FIFA! C'est la FIFA! FIFA! C'est la FIFA! 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 C'est la FIFA! FIFA! C'est la FIFA! FIFA! C'est la FIFA! 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 Pour que les niveaux soient, pour que nous soyons assimilés. Parce que nous avons un engagement. Et nous avons encore la moindre montagne, papa, la niba, le papa, le maïa, le mais on a dit signé partenariat entre les deux secrétaires généraux. Donc, un secrétaire général lui est un secrétaire général de la CENAF. Vous voyez bien, madame, c'est notre chef du gouvernement, l'honorable Trésor Kitata. Je pense que c'est lui qui va nous conduire jusqu'à gagner les élections. Et de l'autre côté, nous avons le secrétaire général, papa, comme vous l'avez dit, Edi Kadima. Secrétaire général Edi Kadima qui représente la Fondation Congo Ma Patrie. Alors, on commence par, j'ai dessiné la fiche d'adhésion en bas, le reste on va remplir après. Oui. Signé juste en bas. Nous autres là, faut nous prendre le temps. Vous écrivez le mot du Congo Ma Patrie, puis vous signez là-bas. La CENAF va vous remettre plus tard son statut. Je pense que vous aurez les statuts de la CENAP, comme ça vous allez marcher. Ndenge CENAP à Tambolaka. Oui, la signature. Pour la CENAP, voilà. Le secrétaire général Congo Kadima. Voilà. Alors, vous remettez les statuts au secrétaire général qui reçoit. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer la CENAP? Enfin, un poignet de main et une accolade qui arrive. Et puis, on remet les symboles. Hein? Voilà, vous les remettez les symboles. Monsieur le secrétaire Kadima, vous recevez entre les mains du secrétaire général. Merci beaucoup, camarade secrétaire général. J'ai, comme le président national a autorisé l'adhésion et la fondation au sein du parti, pour qu'ensemble que nous conjuguons les efforts dans notre plateforme politique, les progressistes, pour qu'en 2023, nous puissions aussi amener notre part dans la grande marmite du chef de l'État. En termes des élus
et qu'ensemble on gouverne le pays. Alors à ce titre, Ricain, donc nous devons être en permanence dialogue. S'il y a un problème. Donc voilà, ça c'est notre drapeau. Merci. Merci. Ok, je suis très heureux, Du moins, avec l'aide de Dieu, aujourd'hui, nous sommes reçus par Congo, ma patrie, et par la Convention nationale des actions politiques, ce qui a été un combat de longue date. Voilà, aujourd'hui, par le trichement du président qui l'a autorisé, vous nous recevez, ça ne peut que nous faire la joie. Nous croyons travailler main dans la main, surtout dans la transparence, surtout dans la vérité aussi et dans l'amour fraternel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il se serre la main. Voilà, transformer le mariage est scellé. Merci beaucoup. Alors, le protocole. Alain Douala, il nous a honoré par sa présence et comme il est là, il peut entonner quelque chose du regroupement avant qu'on puisse poursuivre. Merci, monsieur le secrétaire général. À la tour. Tout est en bas au palais du Sambora. L'amour pour ça, l'animé, n'a rien à faire, c'est un boy. Pour être bien formé, il faut encadrer et pas y avoir à maïli. Vous voyez? Sami a été encadré et pas il y a et chaîne Tshisekedi. Vous voyez? Les lobes du sous Sami a été encadré et pas il y a un grand professeur et pas mais tombez tellement beau. Vous voyez? Nalini koi balobi bana ya pole baza kadistri bana ya molili baza na bobandi. Donc, dans les lignes, avant ton compte, à présent, la carte, il y a quoi? Tant il s'agit de ce progressiste. La progressiste, ce qui te le dit, progressiste, moto. Sinon, vous avez ici, moto. Sans aussi ce progressiste, moto. Vous avez ici, des fois, moto, moto. Sans aussi ce progressiste, moto. Pour la tête, vous avez ici, moto, moto. Sami Balibanga, Bongwanae. Pradi. Progressiste moto, moto. Progressiste moto, moto, moto. Progressiste moto, moto, moto. Sami Balibanga, Mongwanae. Ok, parle-là, parle-là. Progressiste moto. Progressiste moto. Progressiste moto. Moto, moto. Sami Balibanga, Kalisa Congo, merci. Voilà. Merci beaucoup, camarade Roba. Wana Ezali, notre famille. Alors, nous allons passer rapidement à la présentation à l'équipe, à parti, à fédération, à Lukunga. Oyo ezali dirigé et pas ya camarade fidèle Mitemo Ramazan. Camarade, tu peux te le moi. Tu dois mettre la yema boko à la ligne dynamique. Yoana. Le jeune leader. Yoana, le plus de la mission de 2023 à Lukunga. Donc, Yeah. Right.
mes camarades fidèles, à peu travailler dans l'équipe de Bimba, dans la secrétaire fédérale Union sur votre élément, dans la commune et le Kumba. Non, non, bon, mettez-vous des mots, s'il vous plaît. Maman vice-présidente, maman secrétaire fédérale de la Ligue des Femmes, secrétaire fédérale, dans la secrétaire fédérale Union sur. Merci Mingi. Président Barumbu, Yolo Sane Moussala, pour ça, il est président national, camarade président de la Commission Patrice, de se remettre la ligne au cadre et à partir. S'il vous plaît, comité Oya Lukunga, la SNI président fédéral a dit qu'elle va poster Moussous au vacant parce que Fondation Commission Patrice et à Boti, à côté, ça va combler le cadre et Moussous et à Commission Patrice. Oh, la ligne au sein de la politique. La ligne pour intégrer la carte de la politique, la ticket va voter la vie pour nous, la poste est donc les actes. Pour que ce soit numéro, on a déjà, il y a le président fidèle, va tout bien se voir dans le Kunga, c'est-à-dire Mamba Fula, Barumbu Ao, Lingwala, Gombe, Nayema, Nakitambo, Mamba Fula, Nakinshasa, va tout bien se voir pour nous, il y a pour nous, ma patrie. Au la politique, au Benza, il y a terrain, président fédéral, la mission Yéwana, vous recommandez vos camarades Ouana. Pour attirer en bon comité Nabango, tout travailler. Nassima, il y a parti. Bissonio, je tombe même à quelque chose. Parce que ceux qui ont mis quelque chose dès après l'élection, en termes élus, pour aller dans Valère Mancor, nous devons contribuer la majorité 2023. On a besoin de 500 députés. Ceux qui regroupent la Bissot et puis si 50 députés, ce n'a pas fait ça combien, ne vise que 10. À ce moment-là, papa la Bissot, président, a créé pour l'autorité morale, a secoué, a dit non, mais il y en a 10. Dans un endroit, il y a deux postes au gouvernement central. Nous avons le droit à notre entreprise. Si nous avons eu le retard dans le ciment, comment mon patrie est là? Pour nous, et pas une aïe, nous avons un profil haut. Il y a un travail qui est dans la CNSS. Il y a un travail qui est dans l'IMPP. Il y a un travail qui est dans la DGRA. C'est comme ça. Il ne faut pas tous les enquêteurs à la Pongi, comme ça, Fatih Béton, le corps de la maman Sandrine, dans un qui est trop beau, avec le Loukaïn en adapté. Il faut un apport. Ceux qui voient les locaux, tout le monde est locaux, c'est ça la politique. Donc voilà, en bref, président national, camarade fidèle, dans l'équipe Lyon sur Bango, Télémi. Alors, tous les cas, il y a le pour investir Bango, va commander la première partie, mais trop vite, un problème technique. À ce moment, notre chargé. Vous donnez les signes aux trois personnes qui sont sur place, président ainsi que des adjoints. Et d'ici, pourquoi président fédéral au rejoint Colignon sur le Kunga, comme ça au Capoeira-Bakamara. Donc voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne la présentation. Camarade fidèle Azali Moutumoko engagé depuis plusieurs années dans la partie, Aza pour la qui sa détermination n'a pas. Fidélité est la partie. Tout le monde est dans l'élection 2018, à Ouattara-Bundanaye, et 2023 avec le Parlement. Je vous remercie. Merci, merci, monsieur le secrétaire général. Je crois que tout a été dit et c'était clair. Maintenant, nous invitons le président national pour l'investiture de l'équipe dirigeante de Lukunga. Président, vous avez la parole. Et donc pilier il y a développement et la nation et Zali Kozoa, Makambo, Nyos, Namabok,
En ce jour, au nom du président national de la Convention nationale de Jomboli, Nazalina Essengo, il a investi le comité fédéral de Lukunga pour que ça va pouvoir et Nyonso pour Bakouka quoi agir, Bakouka quoi mobiliser pour que dans l'élection de Nikoya, dans Lukunga, la jeune base à Eli et Bélé. Bakouka et Bélé dans le Parlement. Que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée nationale, je vous remercie. Peut-être, nakati na bangoyo ba telemi awa, gumbe moko azape nakati. Est-ce que c'est difficile? Ezali possible. Nayango, camarade fidèle Mitambu, je vous investis, président fédéral de la Convention nationale d'action politique. Vous avez le plein pouvoir d'agir au nom du président national pour le compte de notre parti. Voilà. Vous avez tous les pouvoirs. Vous pouvez agir au nom du président national, le professeur honorable Jacques Bouémé Nyonza. Ok, merci beaucoup. Nous sommes là. Je vais maintenant investir aussi les personnes qui sont chargées de seconder le président national et le président fédéral de Lukunga, parce qu'il ne peut pas travailler seul. Seul, on ne peut rien. Mais ensemble, nous pouvons tous. Nous pouvons tout. Voilà pourquoi le premier vice-président fédéral de Lukunga, je vous investis au nom du président national, le professeur honorable Jacques Bouémé Nyonza. Le président national tient beaucoup à la parité. Babama, Boyaka et Bélé. Mibali, Bakoki jamais aucun de Moussika sans que Bazala accompagne la banane n'est pas. Et vice versa. Mais tu m'as dit que Babama, Boyaka et Bélé. Nazali, pour investir au nom du président national, le professeur honorable Jacques Bouémé Nyonza, Nazali pour investir. Présidente fédérale et à l'île de femmes de Lukunga. Je vous souhaite un futur mandat. Merci. Je vous remercie pour ce match, vous pouvez la bande de ma photo. Voilà, qui s'allume Banda. Qui s'allume Banda. Voilà. Ce que nous avions commencé à faire, nous n'avons pas à tergiverser. Secrétaire général du regroupement politique et les progressistes, notre famille politique ici représentée, Madame la Présidente de la Fondation Congo Ma Patrie, camarades et membres de la Convention nationale d'action politique, notre chère patrie politique, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Permettez-moi de remercier le président national de la Convention nationale d'action politique, le professeur honorable Jacques Bouémé Nyonza, pour son sens élevé des responsabilités marquées par son leadership clairvoyant. Je vous remercie tous également pour votre participation à cette activité politique marqué par l'engagement politique de la Fondation Congo Ma Patrie et l'installation officielle du Comité fédéral de Lukunga. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
après une remarquable matinée politique de redynamisation de nos bases à Tchangou et au Mouamba, après deux matinées politiques organisées à Founa à l'occasion de l'engagement politique de la Fondation Fonajec, que dirige avec détermination et dévouement la camarade Annie Ngandou. Après la journée de la jeunesse de la CENAP, jeunesse organisée par le président de la Ligue des jeunes, le camarade Héritier Katema, après la convention du parti organisée dans la province du Kwilu, précisément à Mabenga, du 25 au 28 août 2022, convention au cours de laquelle nous avons formé et mobilisé les cadres et militants de la Convention nationale d'action politique pour la cause nationale. Mais voici aujourd'hui porteur de deux messages à Lukunga. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, premièrement, je félicite de vive voix Madame Sandrine Kabisa Moulamba, présidente de la Fondation Congo Ma Patrie, pour son sens élevé du patriotisme, son dévouement à la cause nationale et son engagement politique que nous venons de sceller aujourd'hui par l'adhésion de cadres et membres de sa fondation à la CENAP. Je félicite également le comité fédéral de Lukunga qui vient d'être installé. Et cela, je vous demande de bien vouloir les applaudir massivement. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, Franck Fanon disait, je cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. » Fin de citation. Notre mission aujourd'hui consiste à relever les défis de l'unité nationale et de la reconstruction de la République démocratique du Congo sur tous les plans. Lesquels défis le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait son cheval de bataille. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'heure n'est pas ni aux divisions, ni au découragement. Nous devons tous nous mobiliser comme un seul homme et soutenir les actions du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, parce que il constitue aujourd'hui une chance pour notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous prie d'acclamer. Ne perdons pas de vie. Nous venons de très loin. Je dis bien que nous venons de très loin. Aujourd'hui, nous sommes passés du temps plus récent où on vivait la loi du loup dans les poulaillers au temps de l'état de droit. Et cela grâce à la détermination du chef de l'État. C'est ainsi, pour consolider les acquis du changement et reconstruire notre pays, nous demandons à tous de nous mobiliser comme un seul homme, de mobiliser toutes nos bases à travers la République démocratique du Congo pour apporter un soutien massif dans le cadre de notre regroupement politique, les progressistes, à la candidature de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections de 2023. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vue de nous assurer l'élection massive du président de la République, en vue de nous assurer la majorité des élus aux élections de 2023,
la Convention nationale d'action politique, fidèle aux résolutions du regroupement des progressistes qu'elle dirige avec maestra, Son Excellence Monsieur le Sénateur Sami Badi Bangantita, demande à tous les cadres et militants de la Convention nationale d'action politique de se mobiliser pour s'enrôler massivement au moment venu. Lorsque nous travaillons main dans la main, dans l'amour, dans l'unité, le changement pour tous prôné par notre regroupement est possible. Que vive le regroupement, les progressistes, que vive la Fondation Congo Ma Patrie, que vive la CENAP, que vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. Je déclare close les activités. Il y a un mot de la date. Vous avez un mot ? Ok. C'est juste un remerciement. Oui. En attendant que le président clôture cette matinée, nous allons devoir demander à Madame Sandrine et... La Fondation Congo Ma Patrie, nous soutenons le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans sa vision. Je vous remercie. Merci, 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 merci Madame Sandrine. Nous invitons le président à clôturer la matinée. Je déclare close les activités politiques de ce matin. Je vous remercie. Nous allons devoir laisser le président partir avant que les autres le suivent. Monsieur le président.